Bonjour tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting. Alors aujourd'hui, je suis avec ma maman, mais elle est chez moi. Alors bonjour maman! Bonjour mesdames! Alors aujourd'hui, on fait un déballage de tout ça. Hey, on a pour un petit bout. Ça fait que là, mais on a 8. C'est une commande que j'ai faite chez GBFKE. Alors, c'est pas mal toutes des grandes pièces. Je suis venue une qui est plus petite un peu, là, mais sinon, elle est quand même assez grande. Elle est longue. Elle est longue. Elle est mince, mais elle est longue. Ça fait que. Fait qu'on va commencer ça tout de suite. Fait que je vais te passer ça. Bon, on va y aller tranquillement. On va commencer par la plus étroite. Fait que vous la voyez ici. OK, donc. Alors. Ça, c'est pour jeter parce que moi je garde mes pièces. Oh, elle est belle. Oui. C'est une sirène. Elle n'est pas ton goût? Je change l'idée. OK. Alors, on la voit-tu comme il faut? Oui. Regardez. Et tu les avais dans ce sens-là? Non, elle est correcte. On la voit. Attends, je veux juste. OK. À mesure, tu as la mesure en haut ici. 30 par 90. Oui, c'est avec la bordure. Fait que la pièce comme telle, elle mesure à peu près 25 par 85. Alors, regardez. Ça vient avec un petit toolkit de base qui s'en va direct aux poubelles. Oh! Et là, mais je vous montre les couleurs un peu. Fait qu'on va regarder juste. Alors, j'ai combien de couleurs? Tu as 24 couleurs. J'ai 24 couleurs. Il y a les numéros de DMC sur la pièce, mais il ne les a pas sur les sacs. Alors, je vais juste ouvrir comme ça, vous montrer comme ça les couleurs. Attendez, les voyez-vous? Non, on va mettre comme ça. Là, vous les voyez. Alors, ça... Et ça ici, alors on a des beaux bleus, des beaux mauves. Des beaux noirs. Alors, on a de 1 à 17 ici, de 18 à 24. Fait qu'on est en business. Fait que ça, c'est la première pièce. Ça ici, c'est le haut de la pièce. Oui, c'est ça. Fait qu'elle comme elle se retourne la tête à l'envers, là, c'est une sirène. OK. Alors, fait que je vais te laisser remettre les perles dans le sac, si tu sais que c'est ta job. Alors, ça. Pas mal effondré. Oui, je sais. J'assume. J'ai juste regardé. OK. Ah, bien, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est imprimé avec la nouvelle méthode d'impression, OK? Ce qu'ils font, c'est que c'est pas pixelisé, c'est qu'ils impriment la pièce sur le canevas et ensuite, ils rajoutent les symboles. Alors, vous voyez, il y a des lignes qui apparaissent. Fait que ça permet d'avoir plus de... Regardez ici, un exemple. Vous voyez une mince ligne ici, un mince fil, OK? Ça fait qu'entre les perles, fait qu'il n'y a pas de perles blanches ici, mais on voit quand même une ligne blanche. Ça fait que ça va permettre de... Ça permet une plus grande précision. Regarde ici. Au lieu de dire, bon, ben tout le carré, c'est une couleur... C'est qu'ils ont imprimé la pièce, mais ensuite, ils ont rajouté, regarde, une petite ligne ici. Ben oui. Mais il n'y a pas de blanc autour, c'est juste la petite ligne blanche. Ça va permettre de faire plus de précision dans les... Alors, fait que ça, bien... Ils se perfectionnent, bien sûr. Oui, perfectionnent, bien oui. Et toi aussi? Ben oui. Et c'est la nouvelle façon d'imprimer. OK, ça, c'est la première pièce. Deuxième pièce. On va commencer la pièce qui est une plus petite quelque part. Je vais le faire tout de suite. Ensuite, je ne sais pas où c'est. Avec celle-là aussi. Je viens de la montrer. Non. La plus petite. Bon.
OK. Alors, ça ici. OK. Pas celle-là. Oh, il y a de la couleur. OK. Alors. Ça, ça sera classé après. Ça, c'est un ticket de base qui s'en va direct aux poubelles. Alors, on a, ça va comme ça. Il y a 24. OK, on la voit-tu au complet? Je vais juste reculer un petit peu. Recule encore un petit peu vers toi. Oui, là, on la voit complet pas mal. Oh, elle est belle. Elle est belle, oui. Elle aussi, elle est imprimée avec la nouvelle méthode d'impression. Alors, 24 couleurs. Des très belles fleurs. On voit ici les perles. À mesure combien? À mesure 40 par 80. Qui mesure 35 par 75 si on enlève la bordure. Je le mesure pas, là, mais à l'œil. À l'œil. À l'œil. Alors. Je vais vous montrer en gros les couleurs. Comme ça. Et je vais juste vérifier qu'on a bien les 24 couleurs. Alors, ça ici, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je peux les plier, là. Alors, 18, on regarde les couleurs vite, vite. Donc, on a les 24 couleurs. J'adore cette couleur-là. Mm-hmm. Celle-là aussi. Ouais. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous respectez les consignes. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 3 avril. Nous autres, au Québec, on s'en va vers un reconfinement total. C'est de plus en plus de restrictions. Mais pour une fois, depuis combien de temps? Depuis un an? Ouais. On a pu s'embrasser. Ça serrait parce que ma mère est vaccinée. Est vaccinée, ça fait 3 semaines, fait que ses anticorps ont pris le dessus. Ont pris le dessus, là. Fait que. Les séries fort. Alors, ça, c'est une deuxième pièce. On va la mettre. Comment tu vas faire pour les reconnaître? Ben oui, il y a le numéro là-dessus, sur le sac. Oh! Oh! C'est Thibault! C'est Thibault! Là, je vous dis, toutes les pièces, c'est toutes avec des pelerons. Je ne l'ai pas mentionné, là, mais les 8 pièces que j'ai commandées, c'est avec des pelerons. Oh, elle est belle! Oh, que la fleur, elle est belle! OK. Alors, 2 kits. Très de base, comme on dit, des poubelles. On a beaucoup de... Alors, 24. Ah ben, coudonc, ils sont partis sur 24. 24, c'est ça. OK. Leur machine ne peut pas pomper plus que 24. Ouais. Je regarde celle-là. C'est-tu sur l'ancien style ou... Ici, tu n'as une barre blanche, mais c'est dur. Oui. Ça veut rien dire. Non, mais regarde, tu as une petite barre ici plus pâle. C'est la nouvelle méthode d'impression. OK. OK. Tu veux-tu le reculer un petit peu plus vers toi pour qu'il le voie comme il faut? Oui. Wow! Oh, elle est belle! Regarde ça. Oui. Elle est belle. L'énergie de couleur. Combien? 45 par 85. Je veux dire, ça mesure à peu près 40 par 80. On a 24 couleurs. Ils sont partis sur 24. 24, 24, 24. On a le numéro de l'IMC sur la toile, pas sur les sacs. Je pense qu'on va préparer celle-là. On n'a pas l'intention de la préparer. Mais...
Et... Oh, regardez le beau vert. Le beau vert. Oh! Bon, alors, un, c'est 310, je te gage. C'est 310? Ben oui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Des beaux verts, le beau orange ici. Ça, c'est le numéro 15. 18. Oh, regardez cette belle couleur. Oh. 20, 21, 22, oh, celle-là aussi. Ouais. Et 4. Bon. Elle est belle. Ça va bien se faire parce qu'il y a beaucoup de blocs de couleurs. Les symboles, c'est toutes des lettres. Fait que ça se fait très, très bien. Pas compliqué. Moi, je lis la séparation des tâches. Moi, je sors les perles du sac. Puis ma mère a le job de rentrer après. Bon, là. Là, on a trois traits. Ok, je vais rouler ça ici. Oh, ça sent un petit peu, par exemple. Ça sent l'alcool. Ça sent l'usine. Ça, là, lequel que c'est? Oh, ton couvert, puis mallet de travers, de même. Voilà, ça, là. 24 couleurs! Le distributeur de couleurs avait pas plus que 24. Oups, scotch tape. C'est quoi ça? C'est un scotch tape? Non, c'est quoi? Ah. Je sais pas. C'est... Bon! Oh, ça bien des belles fleurs. Ben oui, hein? J'ai bien des belles fleurs. T'as bien des belles fleurs. Un kit de base qui s'en va, oups, aux poubelles. OK. Bon. Oh, wow! Ah, tu me voyais pas quand je te disais que j'avais des belles fleurs. Ben oui. Regardez, on va tasser un petit peu juste comme ça, le montrer au complet. Oh, qui est beau! Mesure combien? 110 par 50, qui veut dire à peu près 105 par 45. Oh, qu'elles sont belles! Oui, elles sont très belles. Ça, c'est-tu imprimé avec la nouvelle méthode aussi? Oui, on va les voir. Oui. Mais les lettres paraissent ouais. Par contre, j'ai ça ici. Ça, c'est pas le fun. C'est parce qu'il plie, on dirait, mané. Puis ça, quoi qu'il y en a une, elle m'a donné une méthode, mais je sais pas si ça fonctionnerait. On va taper. On va essayer ça, voir si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. On va pouvoir sortir le fer à repasser. Mais qui adore ça. Pas trop chaud. Avec une serviette. Yeah. Entre les deux. Ça fait que. Ben, ça faut absolument le repasser. Passant ça, ça va rester. Alors, 24 couleurs. 24 couleurs. Oh, les couleurs sont belles à part de ça. Oh! Bon. Ok, je vous montre ça. Des gros sacs. Alors. 4, 6, 7.
Alors, 12. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sacs. 6 sacs de 12. 12, c'est quel symbole? C'est le... OK, c'est le... Ouais, mais c'est dans le fond, là. Là, il y a des lettres, puis il y a quelques symboles de clavier. Pas des symboles compliqués. 13. Ah, oh, les couleurs. Oh, regardez cette couleur, comment elle est belle. Oh! 18, 5 sacs. 18, c'est quel symbole? C'est... 18, c'est 8 ou 9. C'est un B? C'est un B. Un B, ouais. C'est ça que... Wow! OK, 23, 24, ouais. Très, très belle couleur. Ça, il faut absolument que je le repasse. Alors, quand je serai prête à le faire, l'insérer et le repasser. Oh, c'est ce que je pense qu'il y a ici, ma petite, ben, ma petite pièce. Hein, j'entends, là. Ok. Dès qu'on va jouer du temps, on est dans la moitié. Ben oui. Hey! Ouais. Je vais pas le replier en deux parce que je trouve que ça. Je vais pas de toute façon, je vois. Pour voir vraiment, je le repars. OK. Je vais mettre ça à faire. Bon. Next. Ben non, c'est pas celui-là. Donc. C'est quel que tu pensais? Non, on a une là que tu vas voir. Quand je vois la... Le titre. Alors, c'est en cuillère encore avec deux kits. Pas de multiplaceur. Vraiment de base, de base, de base, de base, de base. Combien de couleurs? Ah! 23! On fait changement. Je vais l'ouvrir de l'autre côté parce qu'il est raide. C'est très raide. Alors, OK. Hey, wow! Alors, ça, c'est... Cendrillon. Elle est ici. OK. Et, faire si grand avec Cendrillon, c'est fait. Faut la chercher avec une loupe. Oui. Alors, c'est. Je ne sais pas. Je sais pas si ça va être belle, cette pièce-là. Et je pense que ça va être pixelisé. Je pense qu'elle est pixelisée. Je ne suis pas sûre. C'est comme sa face à elle, on la voit pratiquement pas. Puis je sais pas, là... C'est elle qui est là, là? Oh, oui. Bon, fait que... OK. Oh! Oh! Tu as 23 couleurs. Oui. Alors, je vous montre ça rapidement. J'adore ce petit verre-là. 4, 5, 6, 7, 3 sacs de 7, 8. Oh, j'adore ce mauve-là. 11, 12, 13, 14. Non. 13, 17, 18.
20, 21, 22, 23. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine du rendu de ça. Je suis un peu déçue. Je le trouve très sombre. Ouais, en tout cas, on verra. En tout cas, chose certaine, je t'offre pas de l'affaire à ta place. Non. Alors, elle mesure 80 par 40, ce qui veut dire enlever la bordure, ça veut dire 75 par 35. Oh, elle a l'air de même longueur que l'autre. Elle est pas épaisse. Garde. Oh, pas les belles. Garde. Oh, pas les belles. On va le monter pour les... Regardez-moi ça. Oh! Attends, je vais le plier de l'autre côté. Ça, je vais le préparer après-midi. Regardez-moi ça. Attends, je vais la reculer un petit peu. Oh, qu'elle est belle. Ça, on voit que c'est imprimé avec la nouvelle méthode. Puis, ça mesure 40 par 50, mais ça, c'est le canevas. Ça fait qu'enlever les bordures, ça veut dire 45 par 35. 40 par 50, mais c'est de ce côté-là. Fait que c'est 50 par 40. Ça veut dire 45 par 35. 24 couleurs, gardons. Seulement des lettres. Puis, quand je disais, là, regardez ici. Ici. Vous voyez, il y a toutes sortes de petites lignes qu'on voit, là. Puis là, ils ont imprimé le symbole par-dessus. Ce qui veut dire qu'à l'œil, là, vous allez dire, ben oui, mais une fois qu'on va... Oui, mais c'est des ronds. Une fois qu'on va avoir mis les ronds, il y a toujours un petit peu du fond qui paraît. Fait que ces petites lignes-là, ils vont rester, puis ils vont faire toute la différence au niveau du rendu. Les très beaux, on dirait que c'est des oiseaux dans un vitrail. Hein? C'est comme... Une cage d'oiseaux. Alors? Il y a plusieurs, il y a beaucoup d'oiseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je ne voudrais pas qu'il mette ensemble, mais 9. 9, ben, alors, 24 couleurs, madame. Donc, on va regarder ça. Oh, les belles couleurs. Alors, tout de suite, le 1, moi, je l'adore. Cette belle couleur-là. Oh, wow! Oh! On va le préparer. Je ne le fais pas tout de suite, mais il va être préparé. Alors, ça. Ah, oh, puis regardez les dernières couleurs. Wow! Moi, je tripe ces couleurs. Les poils, ça ne dérange pas. Après, ces couleurs. Ben oui, ben c'est... C'est les deux, hein? C'est comme si tu regardes la toile, tu dis, ben... Ah... Et là. Oh, mais elle est vraiment belle. Regardez. Oh. Je vous le montre en détail, là. Oh, elle va être magnifique, elle. Je vous montre. Oh. Tant de toiles, si peu de temps. Arrêter de dormir. Ça sert à quoi dormir, hein? Vous pourrez faire de la main painting à la place. Et surtout, j'ai recommencé à travailler cette semaine, fait que j'ai moins de temps à faire de la main painting. Alors, c'est vous voulez. Les autres, je pensais, je ne présente pas comme... opératrice. Et celle-là, là, les oiseaux, je le présente comme opératrice. Comment ça, comme opératrice? Opératrice.
faire le travail. Ah! Mesure 85 par 45. Alors, je vais la refiler un petit peu. Vous la voyez comme il faut. Elle est très, très belle. Ça ne rentre pas tout dans le corps, mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? OK. 85 par 45, ça veut dire 80 par 40. Les couleurs, moi, ça, c'est les couleurs. Moi, tout de suite, les couleurs. Bon, ça vient encore avec deux kits de base. Je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas de multiplaceur, vraiment, là. C'est comme... les belles couleurs. Wow! 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 sacs de large. Ah, ton information. Ah, oh, qui sont belles! Ben, si j'avais pas trouvé ça beau, je l'aurais pas acheté. C'est officiel, tout est en partant. OK. Alors, on dit combien? 24. Alors, le beau mot, c'est sûr qu'on va en avoir un petit peu de gris. OK. Regardez ça ici. Vite. OK. Ouais. 11. Le beau rouge ici. 14. Voilà. Oh! Ils sont trop belles! Ils sont trop belles! Aïe, aïe! 2, 1, 3. Oh, 24, 4 sacs! OK, quand même. Alors, découragez-vous pas, il n'en reste plus rien qu'une après. Aïe, aïe! Comme vous voyez, moi, je ne prends pas des petites pièces. J'aime ça, des grandes pièces. Alors, celle-là aussi est imprimée. Le nouveau style. Je pense qu'ils sont tous partis sur le nouveau style. Ça donne beaucoup plus de précision. Les symboles, c'est toutes des lettres. Fait que pas de... Well. Ah, on va en préparer plusieurs après-midi, je pense. Oui. Ouais. 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 Ah. On va ramasser le bardeau là, après qu'on ait fini. Ramasser tous les sacs. Les sacs, les jeter. Ensuite, faire mon inventaire. Pas mon inventaire, mais mon inventaire des pièces. Parce que je n'ai pas mis encore sur ma feuille d'inventaire de pièces. Alors, ça, c'est une pièce. Que j'étais pas sûre. Bon, ça c'est encore avec le kit de base, OK? J'étais pas sûre. Comment elle pouvait avoir l'air? Moi, j'ai demandé. Oui? J'en ai des multiplaceurs. Oui. Si tu as suivi, il faut que tu suives. J'ai demandé. OK. Ça fait que j'ai demandé à. Pourquoi j'étais pas sûre? C'est parce que. Oh, elle est pas. Elle est pâle et il y a des choses qui sont comme dans le fond. Okay? Si vous regardez comme il faut, là, ici, il y a un château. Il y a un château, il y a une petite fille ici. Il y a une licorne, il y a un arc-en-ciel dans le fond. Ça, puis je n'étais pas certaine si ça paraîtrait. OK? Puis c'est des couleurs assez pâles. Hein? C'est vraiment. On a une libellule ici, on a un papillon.
Il y a des roses. Il y a des roses. Mais ça, les roses, on les voit facilement, mais c'était plus dans ce qu'il y a dans le fond que j'étais inquiète. C'est que il y a une youtubeuse qui s'appelle Rambling Rose, qui fait au niveau anglais, puis qui fait des ce qu'elle appelle des rose tries. Alors, quand vous n'êtes pas certaine de commander une pièce, à ce moment-là, vous pouvez lui envoyer le lien de la pièce. Puis elle commande parce qu'elle a. Elle ne les paye pas parce qu'elle a un arrangement avec les fournisseurs pour montrer leurs pièces sur sa chaîne. Puis elle la commande pour nous. Puis comme ça, elle nous donne son opinion, voir sur. Alors, c'est une pièce qui mesure 100 par 50. Alors, enlever le tour, ça veut dire 95 par 45. Combien de couleurs? 21, pas beaucoup. Ah, ou... 21, mais c'est toutes des couleurs très pâles, puis il y a beaucoup de gris. Puis, c'est la dernière pièce que je fais aujourd'hui. Alors on commence par ça ici. OK. 5, 6, 7. Alors, on a beaucoup de gris. 7, combien de sacs? Oh, 5 sacs de 7. OK. 8. Oups, 6 sacs de 9. Mais écoute donc, ça va. 9. OK. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacs de 10. Fait que vous voyez, on a beaucoup de 12, 13, 14, 3 sacs de 14. Un beau rose ici, 3 sacs de rose. 18. Et les derniers sacs, 19, 20, 21. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet unboxing. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en prie, faites-le. Vos commentaires sont toujours lus avec beaucoup d'attention. Si vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, bien, c'est bien apprécié. Si vous mettez un pouce en bas, bien, vous avez le droit aussi. Alors, fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, merci d'avoir écouté. Bye bye, maman, tu l'as dit bonjour? Oui, bonjour, je vous souhaite que vous soyez OK. Alors, à la prochaine.